Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs, nous voici arrivés à ce temps tout particulier du baptême du Seigneur. Il y a quelque temps de cela, nous étions dans le temps de Noël, où nous nous réjouissions de la venue du Seigneur. Il s'est fait présent à nous, dans le fond de la crèche, et il a été et il est la lumière sur nos pas. Et puis, aujourd'hui, nous faisons un bond immense. 30 ans. Il a fallu passer 30 ans de vie cachée avant que s'opère l'histoire que nous entendons aujourd'hui, celui que nous commémorons, le baptême de Jésus au Jourdain. 30 ans de vie cachée, 30 ans où il a travaillé, pris notre humanité pour être comme nous à Nazareth, avec Joseph et Marie, en train de travailler, vivre avec ses contemporains et découvrir de plus en plus le cœur de chacun qui vivait à ses côtés. Et puis, nous arrivons à ce jour, ce premier acte qui est le premier acte de son ministère public, le baptême. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais est-ce que Jésus avait besoin de ce baptême? Parce que nous, nous en avons besoin. Puisque c'est en plongeant dans les eaux du baptême que nous sommes purifiés, restaurés, et que nous pouvons ainsi, eh bien, délaisser notre péché pour être tout entier du côté du Seigneur. Mais Jésus lui-même est Dieu, et il n'a pas besoin du baptême pour être purifié, étant Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? N'est-ce pas une folie de faire un acte dont il n'a pas besoin de faire? Eh bien, frères et sœurs, le premier acte de son ministère n'est pas de rester sur les bords du Jourdain en train de nous regarder plonger dans les eaux du baptême, mais c'est prendre part avec nous, en plongeant avec nous dans les eaux de notre baptême. Et justement, notre vie, souvent, elle est faite de haut et de bas, certes, mais il y a nos échecs, nos incapacités, nos péchés, tout ce qui est négatif et qui pourrait nous encercler. Et nous avons besoin, justement, de plonger dans les eaux du baptême pour nous remettre à jour, nous redonner vie, que nous puissions être vraiment
encerclé par la grâce même de Dieu lui-même. Et Jésus, à la place d'être sur les bords du Jourdain, en train de dire « Ah oui, effectivement, ce sont des pécheurs, ils ont besoin de cette purification, allez-y, plongez », lui décide de venir avec nous dans nos échecs, avec nous dans nos incapacités à aimer, avec nous dans tout ce qui pourrait être amertume, difficulté, tout ce qui pourrait être endommagé dans notre vie. Dieu vient avec nous aujourd'hui. Il décide de plonger pour qu'à un moment donné, dans notre vie, nous puissions ressortir des eaux du baptême avec lui. Et justement, il y a cette descente dans un premier temps. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin de quelqu'un. Mais qui est ce quelqu'un, frères et sœurs? C'est Jésus. C'est le seul qui peut nous aider et nous sauver dans la situation dans laquelle nous sommes, nous, personnellement, dans notre vie. Et justement, il faut que nous ayons ce besoin d'avoir besoin de Jésus. Frères et sœurs, il faut demander, si nous n'avons pas encore compris ce besoin que nous avons intérieurement, il faut le demander. Seigneur, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de toi, sans toi je suis perdu. Et il faut bien le reconnaître en disant, mais Seigneur, vraiment, je suis un miséreux, un pauvre, qui appelle, qui crie vers toi. Et Jésus l'entend. Il vient. Il nous donne sa présence à nos côtés et il vient avec nous être submergé dans sa grâce pour qu'à un moment donné, eh bien, nous puissions ressortir avec lui dans non pas une indifférence, mais une joie profonde d'appartenir au Christ Jésus. Frères et sœurs, ce baptême de Jésus, c'est vraiment un signe pour nous que Jésus ne nous abandonne pas, qu'il nous aime tel que nous sommes. Tu peux avoir peut-être sur ton cœur beaucoup de difficultés. Peut-être qu'il y a des péchés que tu n'arrives pas à t'en sortir. Peut-être qu'il y a des domaines dans ta vie où tu ne sais pas comment te retourner tellement que c'est difficile. Tu n'as pas la solution. Tu te poses mille et une questions. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, il te dit à toi, personnellement, n'aie pas peur. Il te dit pas seulement n'aie pas peur, mais il te dit n'aie plus peur. Car je suis là, je suis ton sauveur et ton Dieu. N'aie plus peur, car je viens avec toi dans tout ce qui fait ta vie. Ne cherche pas à mettre un masque devant ton visage, devant moi. Ne cherche pas à cacher ce qui serait vraiment horrible à tes yeux, car je t'aime. Voilà la vraie question, la vraie réponse au baptême de Jésus aujourd'hui. Nous fêtons Jésus qui vient à nous pour nous sauver de tous nos échecs. Et justement, frères et sœurs, nous devons nous en réjouir, nous devons acclamer le roi du ciel, nous devons vraiment nous donner les uns aux autres cette joie mutuelle d'appartenir à Jésus. Et voyez-vous, il y a certaines fois, peut-être, des incompréhensions. Certains pourraient dire qu'il y a baleine sous les gravillons ou un os dans la banane, mais l'essentiel c'est de découvrir réellement que nous avons un seul et même Seigneur Jésus-Christ. Nous formons une seule et même famille et nous avons besoin de nous entraider dans la prière et dans l'entraide les uns avec les autres. Et nous avons besoin de Jésus. Est-ce que vous avez besoin de Jésus, frères et sœurs? Est-ce que vous avez vraiment besoin de Jésus? C'est ça la grande question. Il ne faut pas avoir peur de répondre oui. Parce que ce oui, il va être entendu dans le cœur même de l'Église, dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Christ.
Et au moment de l'élévation tout à l'heure, au moment où Jésus sera présenté, il sera réellement présent, mais plongé dans son cœur en disant « Seigneur, renouvelons ensemble eh bien, ce baptême que nous avons reçu, certes peut-être quand nous étions petits, d'autres peut-être à l'adolescence ou d'autres encore un peu plus âgés, peu importe, ce baptême va nous vivifier. » Et c'est dans le corps très saint, dans le sang précieux, dans l'esprit qui sanctifie, que Jésus vient nous rénover, nous relever et nous donner sa paix. Alors, frères et sœurs, soyons dans la joie et ayons besoin vraiment du Seigneur Jésus aujourd'hui même, car il est celui dont il vient, celui qui vient nous sauver, car il nous aime d'un amour infini. Amen.